Ah, Londres, quelle ville! L'histoire à chaque recoin, et les touristes pour la photographier. Les pubs où coule la bière et la joie, la musique, le théâtre, les œuvres d'art. Ce mélange de cultures. Et le plus vieux métro du monde, le Tube. La crème des villes, l'élite des capitales. 1200 ans seulement pour sortir de terre, et une seule nuit pour finir en miettes. Quel est notre statut? La sécurité du périmètre est HS, mais on a plein de copains volants. C'est pas vrai. Dalton, il faut faire vite. Oui, chef. J'y suis. On sait contre quoi on se bat cette fois, Bagley? Si vous n'aviez pas filé, je l'aurais su. Avez-vous déjà songé à laisser les autorités gérer de telles menaces? Très drôle, Bagley. Le gouvernement préfère essayer de nous arrêter plutôt que de faire quelque chose d'utile. On va devoir se débrouiller tout seul. Sois prudent, Dalton. Bagley, tu détectes de l'inquiétude dans la voix de Sabine? En effet, et un ton légèrement plus aigu suggérant l'excitation, ce qui est fascinant. Bon, fermez-la et mettez-vous au boulot. Ça y est, j'y suis. C'est moins agréable pour toi que pour moi. Fais-toi discret, Dalton, ça nous rendra service. S'ils me tirent pas dessus, je leur tire pas dessus. Ça te convient? Ils ont des tonnes de technologies d'EdSec par ici. Tu crois qu'ils veulent en faire quoi? Quoi? Comment ils ont pu mettre la main dessus? Je sais pas. Mais on dirait bien que quelqu'un veut faire croire que d'EdSec est passé par là. Merde. Dalton, il faut que tu sois extrêmement prudent. Tu peux me dire qui sont ces mecs en noir? Rien d'identifiable. Je suppose que c'est fait exprès. Ben merde alors. C'est bourré d'explosifs par ici. C'est pas vrai, ces trucs... Bagley, est-ce que... Nitrogène RDX, de quoi raser tout le Parlement. Tu peux localiser un détonateur, Bagley? Pas tout à fait, mais il y a un appareil qui diffuse une tétrachie de données chiffrées à l'étage juste au-dessus de vous. Ça fera l'affaire. Je vais voir. Leurs profils sont lourdement chiffrés. Je n'ai rien pour les identifier. Des fantômes dans le système. Oh mon Dieu. Thank you.
plaquer de la propagande d'EdSec tout autour des bombes. Ces connards veulent faire sauter le Parlement en se faisant passer pour nous. Pas si on réussit à atteindre le détonateur. Pile dans la chambre des communes. Je sais pas qui sont ces hommes en noir, mais ils ont du culot pour installer ça au milieu du gouvernement. J'ai trouvé le détonateur. Et il est bien activé. Bagley, il va falloir m'aider. Évidemment, mais malheureusement, je suis bloqué. Merde. On n'a aucune chance de s'en tirer sans Bagley. Attends, j'ai peut-être une idée. On s'est entraîné au piratage manuel au service secret. Tu m'étonneras toujours. Allez, dépêche-toi. Allez, Bagley, à toi de jouer. Connecté. Et les bombes viennent tout juste de s'amorcer. Ça risque de compliquer les choses. Non, mais c'est pas vrai. Tu peux les désamorcer? Évidemment, mais je risque d'activer une sécurité et vous finirez en petits morceaux, je vous préviens. Attends-toi à ce que ça attire l'attention de ton côté, Dalton. Ça va pas bien. On a de la compagnie à l'arrière. Merde. Dalton, ça commence à chauffer au QG. Combien de temps ça va prendre, Bagley? Cela dépend du nombre de fois que vous allez m'interrompre. Ok, tout le monde. On met les masques, on sort les armes. Ça va devenir tendu. Sur moi, je vais essayer de les retenir. Ouvrez l'œil! Et le bon! Merde! Merde! C'est quoi ce bordel? Oh, merde! Ça avance, Bagley! Disons que je suis à la fois impressionné et exaspéré par le degré de sophistication de leur système anti-intrusion. J'avance! Bagley! Dis-moi que tu y es presque! J'ai passé la sécurité. Maintenant, je cherche la séquence de détonation en pataugeant dans des téraoctets de code en trompe-l'œil. Dalton, problème. J'ai besoin de votre enveloppe physique et vite. Qu'est-ce qui se passe? Il y a trois emplacements à gauche. L'un d'eux est le récepteur. Vous devez retirer le fil du contrôleur. Non, mais tu te fous de moi. Je ne me fous de personne. Retirez le fil. Si jamais ce truc explose... Bombe désamorcée. Eh ben voilà, c'était pas si dur. Bagley, espèce de salaud. J'ai failli faire une crise cardiaque à cause de toi. Wow. C'est quoi tout ce que je vois là? Il semblerait que le Parlement ne soit pas la seule cible. D'autres bombes viennent d'être activées. Affiche-moi ça, Dan. Bordel, on doit tous les avertir. Il faut évacuer tous les bâtiments. Il y en a partout dans le monde. On n'a pas le temps. Ma sœur est à la conférence de la TOAN. On doit faire quelque chose. Je détecte un transmetteur sur le toit qui envoie un signal aux autres sites piégés. Si vous pouviez l'atteindre... Je pourrais tout arrêter.
Sabine ? Merde ! Dalton, on nous attaque ! Vite, sur le toit ! Sabine, qu'est-ce qui se passe ? On nous attaque. C'est un vrai bain de sang. Le protocole exige qu'on efface tout, y compris Bagley. Mais j'ai besoin de lui pour l'émetteur. Je sais. Mais s'ils mettent la main dessus, ils auront accès à tout. Nom, lieu, opération. Ok, on va le faire à l'ancienne alors. Efface-le. Oui, effacez-moi. Sabine, fais vite et pars-toi de là. Merde. Ok. J'en ai fini avec Bagley. Te voilà seule. Dalton, si ça tourne mal. Tout ira bien. On se retrouve au point de rendez-vous. Promis. Bonne chance. Aider lors d'une mission capitale. Quelle mission ? Tuer des milliers de... Exactement. Sauver le monde. Les Londoniens sont familiers des tragédies. La peste, le grand incendie, le Blitz, peu réjouissant. Mais la destruction est toujours le remède. Zero Day débute. Maintenant. A dévasté trois sites londoniens. Les autorités demandent aux habitants de rester chez eux tant que la situation n'est pas stabilisée. Nous n'avons pas pour l'heure de bilan officiel, mais le monde a été mis de nombreux londoniens sur les trois sites touchés par ces attaques, en soutien aux familles des victimes, dans un élan de grande solidarité. Toute la ville n'a dorénavant qu'un seul objectif. Le Premier ministre a confié à Nigel Cass, PDG de la société militaire privée Albion, la sécurisation de Londres. Cass a promis une traque sans merci contre Detsec. Le groupe terroriste Raison d'infiltration de France, Albion, a déployé un système ultra sophistiqué d'intelligence artificielle et de drones autonomes pour capturer les derniers membres de Detsec. Un avertissement à tous les insurgés potentiels. La société anglaise affiche des bénéfices records grâce à une efficacité accrue en production et en distribution. Et cela grâce aux technologies développées initialement à des fins sécuritaires. Et le taux de criminalité est en chute libre. Paris illégaux, trafic de drogue et prostitution sont en berne suite au procès des responsables des quatre principaux syndicats du crime. Il sera bientôt possible de se promener dans les rues de Camden et de Bristol. Grâce à la prolongation sinédiée du mandat d'Albion par le gouvernement, la vie reprend enfin son cours normal. Couvre-feu et restrictions de déplacement sont dorénavant levées. Les émeutes de Trafalgar Square ont été grandement exagérées. Certainement par des fake news propagées sur les réseaux sociaux par des étrangers. Albion tient les quelques perturbateurs. Informer le public sur la circulation.
l'apparition de fake news, les théories conspirationnistes des sombres recoins d'Internet, prétendant que l'organisation DedSec est accusée à tort pour les attentats, sont fermement récusées. Nos reporters n'ont quant à eux trouvé aucun londonien prêt à appuyer ces théories devant les caméras. J'ai besoin de réunir une équipe. Mais je peux pas rebooter DedSec toute seule. Allez, piratons le site iOS de Londres pour voir qui est disponible. Ici Claire Waters. Et cette semaine, dans les flibustiers, nous parlons de DedSec, le groupe activiste soupçonné de terrorisme. Un certain Colin nous appelle. Colin, t'en penses quoi ? Moi, je dis depuis des années qu'on aurait dû arrêter DedSec pour les mettre en prison. Mais maintenant, je pense qu'on devrait plutôt les fusiller. Tu ne trouves pas que c'est un peu facile de les désigner comme coupables sans même avoir une preuve ? Mais regarde la TOAN ! Regarde notre ville ! Il te faut quoi de plus comme preuve ? Eh bien, Colin, je pense qu'il faut songer à leurs actions non violentes. Albion a envoyé plus de civils à l'hôpital au cours de ces derniers mois que DedSec depuis sa création. Ça sent le coup monter. J'ai maintenant Émilie en ligne. Émilie, quel est ton avis ? Claire, t'as tout à fait raison. Le gouvernement fait porter le chapeau à DedSec pour faire semblant de maîtriser la situation. À tous les coups, ils ont aucune piste sur ceux qui ont commis les attentats, mais naturellement, ça passe mal aux infos. DedSec est un caillou dans leurs chaussures. C'est les coupables parfaits. Angie, à ton tour. Que penses-tu de tout ça ? À mon avis, DedSec a enfin montré son vrai visage. C'est terrifiant d'imaginer que des gens aussi dangereux étaient là, tout près, pendant toutes ces années. On avait des terroristes parmi nous. Du coup, DedSec te fait plus peur que les gangs londoniens, comme le clan Kelly par exemple. Le clan Kelly, à la limite, il brûle ton magasin. Ou alors il te tue. Mais jamais il tenterait de faire sauter le Parlement. Ensuite, nous parlons au roi de la crypto. Bonjour, pourquoi un pseudonyme ? Ah bah obligé. On va pas les aider à nous retrouver en plus. Vous avez vu ce qu'ils sont capables de faire maintenant ? Jusqu'où ils peuvent aller ? Comment ça, ils ? Le gouvernement ? Est-ce que tu veux dire que le gouvernement est responsable des attentats ? Est encore pire que ce que je pensais. Ah, voilà enfin quelqu'un. Tu es donc le dernier espoir de DedSec. Contente de te voir en vie. Si tu veux toujours soutenir la cause, DedSec a besoin de toi. Je t'envoie les coordonnées de notre dernière planque. On s'y retrouve. Ok. London Calling, London est en ligne. Vous écoutez Tash pour les flibustiers. Là, où on vous dit tout ce qu'on voudrait nous cacher. Ça paraît impossible qu'un pays développé comme le nôtre vienne à manquer de nourriture et de médicaments. Mais c'est pourtant bien le cas.
On nous avait promis une alimentation suffisante pour tous, mais ça n'était qu'un mensonge de plus. On n'a plus accès à la plupart des produits de première nécessité. Et on meurt de maladies bénignes à cause de la pénurie de médicaments. Du coup, des gangs comme le clan Kelly s'achètent la ville au marché noir et Hassani, notre premier ministre, ne fait même plus semblant de s'en inquiéter. Comment on a pu passer d'une société de consommation à une société où il faut se battre pour manger? Une société où les trafiquants et les barons du crime ont la main mise sur tout et sur tout le monde? Nous nous attachons à protéger tous les intervenants en gardant leur identité secrète. Ian, ancien journaliste politique, nous explique ce qui se cache derrière ces pénuries. J'ai téléchargé un patch sur ton optique pour que tu aies accès à notre système de sécurité. Il est conçu pour que je puisse pas faire entrer quelqu'un d'extérieur à DedSec. Tu devras faire la manip toi-même. Des passages secrets et des QG. Oh, ça m'avait manqué. On se recroisera en bas alors. Sésame, ouvre-toi. Y'a quelqu'un ? Direct non. Bon, faut remettre le courant. Empreinte DedSec introuvable. Déclinez votre identité ou je condamne les issues, je pirate votre optique et je lis à haute voix tous les emails que vous avez envoyés à vos ex. Alors tu devrais expliquer à Sabine ce qui m'est arrivé. Sabine est vivante. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Je suis Bagley, l'IA ultra avancée et pas du tout volée, dont le rôle est d'assister DedSec, et je constate que j'ai été hors service pendant plusieurs mois. Bref, si vous me connectiez au réseau DedSec, que je devienne puissant au-delà de votre imagination, pardon, que je rattrape ce que j'ai manqué. Et voilà. Aujourd'hui, l'upload se penche sur Skye Larsen, la fondatrice énigmatique de BrokaTech. Salut tout le monde, vous écoutez l'upload. Aujourd'hui, on va parler du CityOS 3.0, le système d'exploitation qui contrôle désormais toute la ville de Londres. Ah,
voilà, je suis reconnecté au réseau, je télécharge notre base de données, les actus archives et... Oh non, le groupe terroriste DedSec responsable des attentats mortels à Londres. Dalton Wolfe est mort. Il suffit que je vous laisse une minute et vous fichez tout en l'air. C'est à peu près ça. Ce que je voudrais savoir, c'est si c'est pas DedSec, qui a organisé les attentats? Il y a un trou dans ma mémoire après que Dalton... Enfin, soyons honnêtes, après que j'ai désamorcé la bombe au Parlement. Je manque d'infos sur ce qu'il s'est passé après ma désactivation, mais d'après ce que je peux en déduire, un groupe de hackers inconnus répondant au nom mystérieux de Zero Day était de la partie. Je pense que Zero Day a organisé les attaques et fait porter le chapeau à DedSec. Venez à mon terminal, Sabine veut passer un appel vidéo. Sabine Brandt est connectée. Je vous suggère fortement de l'écouter attentivement. Te voilà, je suis trop contente de te voir. Bagley, bon sang que ça fait du bien d'entendre ta petite voix. Ta mémoire est intacte? Loin de là. Le dernier enregistrement est l'assaut de notre QG. Et comme seule piste, un groupe appelé Zero Day. Ça vous dit quelque chose? Non. Mais le QG a été attaqué par des hommes en noir. Les mêmes que ceux du Parlement. Ils bossent peut-être ensemble. On n'avait aucune chance. Ils ont tiré sur tout le monde. Waouh ! Comment tu t'en es tiré ? J'ai réussi à fuir par les égouts jusqu'à Camden. Un contact m'a fait sortir de la ville et depuis, je me planque dans le nord. Sage décision. Votre profil est indiqué comme cible prioritaire dans le système de surveillance de la ville. Même une reconnaissance partielle vous mettrait en danger. DedSec est pas au top de sa popularité en ce moment. Écoute, tu sais que je ferai tout pour toi. Mais Sabine, tu m'en demandes beaucoup trop là. Écoute, si quelqu'un s'y connaît en risque, c'est bien moi. J'ai perdu tout ce que j'ai, et tout le monde. Mais voilà la situation. Londres est dans une spirale de mort. Et si DedSec ne sauve pas la ville, crois-moi, personne ne peut. Londres a besoin d'une résistance. Et elle commence avec toi. Qu'est-ce que t'en dis? Eh merde. La mort, c'est pas si terrible. Excellent. Nouvel utilisateur enregistré. Bienvenue chez DedSec. Bien. Ce serait irresponsable de notre part de vous relâcher cul nu dans la nature sauvage. Vous trouverez dans la planque quelques équipements indispensables à votre panoplie de DedSec. Pour vous préserver des systèmes de reconnaissance faciale, nous avons une solution high-tech. Cela s'appelle un masque. Et tant que nous y sommes, pourquoi ne pas rafraîchir votre garde-robe? Je veux dire, regardez-vous sérieusement.
Ils sont très bien, tes nouveaux jouets, mais c'est important de connaître les bases aussi. Tu dois apprendre à mettre des claques et aussi à en encaisser. Si t'arrives devant Albion avec un flingue, ils hésiteront pas à te descendre. Les dégâts collatéraux, il vaut mieux éviter. Chez DedSec, on se sert des armes qu'en dernier recours. Vous connaissez déjà Cody Robinson? C'est la propriétaire du pub et un vieux contact de DedSec. Championne de boxe amateur, qui plus est. Allez sur le ring d'entraînement. Elle vous apprendra quoi faire quand quelqu'un vous balance un coup de poing. Je descends tout de suite. Le temps de m'échauffer. Essayez de déjouer ma garde. Allez, trouve le point faible. Comme ça, oui! Ouais, bien joué! Allez, on utilise ses jambes. Il faut créer de la distance. Comme ça, oui! Comme ça, oui! Vous avez votre barda? Vous avez compris comment ne pas vous faire boxer le nez ou vous faire abattre lors d'une fusillade? Parfait. Je réfléchis à comment nous pourrions trouver Zero Day et leur pourrir leur journée, n'est-ce pas? Mais j'ai besoin de quelqu'un avec de vraies jambes pour faire ce travail. J'espère que vous êtes d'attaque. On a un peu de service après-vente à faire si on veut se débarrasser de notre image de groupuscule sanguinaire. C'est pas à moi de te dire comment te comporter, mais n'oublie pas que tu représentes DedSec maintenant. Ok, au boulot, on t'écoute, coach. Te fais pas d'illusions, Londres est sous occupation. Des mercenaires armés patrouillent dans nos rues, soi-disant pour protéger la population. Mais surtout pour faire régner la peur. C'est un grand classique des dictatures. Si les gens ont peur, ils réclament des groupes armés. Donc, on doit raviver la flamme de la résistance chez les habitants de Londres, en leur montrant qu'Albion, c'est pas la solution, mais bien le problème. Pour cela, nous aurons besoin d'informations. Je vous envoie les coordonnées de deux lieux sur votre optique. Merci, Bagley. J'ai identifié deux opportunités pour nous. Petit 1, entraver la propagande d'Albion. Rappeler à la population que c'est pas Albion qui décide de tout. Petit 2, si on veut leur mettre des bâtons dans les roues, on a besoin d'infos sur leurs opérations. Ça te va? Évidemment. On va secouer un peu la ville. Excellent. Il est grand temps de rameuter le peuple de Londres. Tâchons de rester calmes, entendu? Puis-je vous être utile? D'être t'aider. Discutons entre personnes civilisées. Vous pourriez reculer un peu? Il est conseillé aux citoyens de quitter les rues de la ville pendant les heures à haut risque. Out.
Ça sert à rien ici. C'est vous l'odeur de pâté, là ? Il n'y a qu'un mot pour ça. Dégueulasse. Je comprends pas comment les gens trouvent de telles saloperies. Albion a établi une base d'opération à la Cour royale de justice. Pas étonnant qu'ils aient pris le contrôle des tribunaux. Ils jettent tous ceux qui les dérangent dans des cages. Exactement. Mais ça veut aussi dire qu'on peut sûrement y trouver comment Albion traque les dissidents. Qui et pourquoi? Si on veut contrecarrer leur plan, il nous faut ces infos. Oh!
Bagley, qu'est-ce qu'on a? Une liste de profils désignés par Albion comme étant des cibles prioritaires et autres menaces contre l'ordre public. Vous voyez? Un journaliste. Et là, une personne qui tient un refuge pour SDF. Juste ciel, protégez vos enfants. Ah putain! Ils sont tous suspectés de semer la rébellion ou d'y être favorables. Albion arrête de façon systématique tous ceux qui risquent de s'insurger. Dommage pour eux, parce que cette liste va nous aider à trouver de nouvelles recrues. Bien joué. Allez, on va ruiner les efforts de propagande d'Albion et redonner un peu d'espoir aux gens. Lâche-moi, je suis super occupé, là. Allez, du balai! Il est charmant, ce type! Effectivement, il n'a pas l'air net. À en croire son activité en ligne, il a cherché à pirater le réseau du National Health Service. Merde, le NHS a déjà assez de mal comme ça. Ils ont vraiment pas besoin que des hackers viennent en rajouter une couche. Oh non, un hacker humain a bidouillé des appareils qu'il comprend à peine. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Ah oui, connectez-moi et j'arrangerai ça. N'importe quel serveur d'hôpital fera l'affaire. Je m'en occupe. Ouvrez l'œil.
a piraté ce véhicule. Drone, lance une recherche. Vous pouvez réaliser le piratage d'ici. Terminé. Bagley, qu'est-ce qu'on a ? Oh, regardez ça. Il n'exploitait pas du tout les failles du système. En fait, il les corrigeait. On dirait que notre hacker est un ange gardien, finalement. Je t'écoute. Il s'est particulièrement concentré sur les failles concernant les listes de transfert d'organes. Quiconque viendrait à découvrir ces failles aurait un énorme pouvoir sur la liste d'attente. Si ça, c'est pas une mission pour DedSec, je vois pas ce qui peut l'être. Bagley, organise-moi un face-à-face.